L'amicale du personnel douanier féminin, dénommée les Gabelles, est au secours des enfants atteints d'insuffisance rénale. En effet, elle a fait un don de 4 millions en espèces et en nature afin de prendre en charge les enfants atteints d'insuffisance rénale. C'était ce vendredi 8 mars au sein de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. À en croire la présidente des Gabelles, étant mère et épouse, consciente du coût élevé de la prise en charge des enfants atteints d'insuffisance rénale, elle ne pouvait pas rester sans rien faire. En tant que mère et en tant qu'humain, la souffrance de l'autre, la maladie de l'autre nous interpelle. Alors nous, amicales des femmes douanières, nous nous faisons le devoir toutes les années d'avoir une pensée pour une frange de la société dans le besoin. Et cette année, nous avons pensé aux enfants atteints d'insuffisance rénale du CHU pédiatrique Charles de Gaulle. Aujourd'hui, 8 mars, journée de la célébration de la femme, l'heure pour nous est à la réflexion, à la solidarité, à la cohésion, et non plus aux festivités comme il y a quelques années. Raison pour laquelle cette année, à marge de notre Assemblée générale, nous avons pensé à ce don. Pour la représentante de la directrice générale de la pédiatrie Charles de Gaulle, ce geste des Gabelles est à saluer à sa juste valeur. C'est pourquoi elle a exprimé sa reconnaissance à l'amicale et appelle d'autres bonnes volontés à emboîter le pas des douanières, car le temps ne peut pas tout faire. Ce don me réjouit vraiment parce que ça prendra en charge les enfants atteints d'insuffisance rénale aiguë. Au Burkina ici, beaucoup de cas, surtout après les infections du palu et après la dengue qu'il y a eu, mais on les minimise et ils ne sont pas pris en charge. Et les parents se plaignent toujours qu'ils n'ont pas assez les moyens pour prendre en charge. Et les dons sont bienvenus et il n'y a pas de cathéter pour la prise en charge des séances de dialyse. Les dialyses pour adultes sont très longues, ne sont pas adaptées aux enfants. Donc, merci beaucoup à l'amicale, ce don nous réjouit. Je ne sais pas comment le traduire, mais ça va améliorer beaucoup, nettement, le pronostic vital des enfants qui sont atteints d'insuffisance rénale aiguë. En tout cas, c'est un cri de cœur que je lance parce que au CHUP Charles de Gaulle, nous n'avons pas de locaux adaptés. Nous n'avons pas de locaux. On dépend uniquement des grands enfants. Il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de matériel non plus. Donc, si ils peuvent venir faire des dons pour que cette unité soit vraiment fonctionnelle, nous allons leur dire un grand merci et ça va nous permettre de prendre en charge les pathologies rénales au Burkina Faso. Un rappel. L'amicale des femmes douanières, appelée les Gabelles, est une amicale qui a vu le jour en 2010. Cette amicale a pour objectif d'accompagner les femmes douanières.